Bonjour. Bonjour chers clients, chers sociétaires, chers amis. Je m'adresse à vous comme présidente de la Société locale d'épargne des Hautes-Alpes. J'ai le plaisir d'évoquer avec vous les résultats de la banque à laquelle vous faites confiance et qui est servie au quotidien par des collaborateurs et l'ensemble du conseil d'administration sur des chiffres qui, dans cette situation bancaire chahutée, compliquée, s'avère particulièrement bon. C'est aussi grâce à vous, puisque vous êtes client, et surtout parce que vous en êtes, puisque sociétaire, propriétaire. Que s'est-il passé en 2018? Donc, je viens de vous le dire, des bons résultats de votre caisse d'épargne, et puis surtout un événement absolument phare. Cela fait 200 ans que la caisse d'épargne est née. Et donc, chacun dans ses territoires, chaque caisse, a fêté le bicentenaire. Pour nous, ce sera dans quelques mois. J'aurai le plaisir et le loisir de vous en reparler. Et puis, événement extrêmement important, le renouvellement complet du directoire de la CEPAC. Sous la présidence de Joël Chassard, l'ensemble de l'équipe a été renouvelée. Et puis, vos administrateurs, il faut le savoir, sont là à votre service et participent sur l'ensemble du territoire des Hautes-Alpes à soutenir des associations, des projets qui, il faut bien le dire, sans la participation de la Caisse, auraient du mal à voir le jour, dans des domaines aussi divers que le social, le sport, le handicap, la santé. Des associations phares sur lesquelles nous reviendrons et dont nous mettrons, sur lesquelles nous mettrons un projecteur particulier à l'occasion de notre Assemblée générale qui se déroulera au mois de juin. Et évidemment, il faut aussi évoquer 2019. 2019 qui verra un anniversaire important, à l'instar de 2018, ce sera le 20e anniversaire de notre système coopératif. À très bientôt donc, chers amis, le 18 juin, 18h, au Quattro, je vous attends. Nombreuses, nombreux, venez.